2018. C'était drôle ou pas? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, ça y est, une nouvelle année commence, 2018 commence. Et comme vous l'avez vu, évidemment, ma chaîne continue. Voilà, je suis tellement content de vous continuer cette chaîne, de vous faire encore plus de belles vidéos en 2018. Donc voilà, je voulais vous apporter mes meilleurs vœux pour 2018. Et voilà, j'espère que tout ira bien, la santé, la famille, tout ça, c'est très important. Et voilà, sans plus attendre, recommençons cette vidéo et commençons 2018 par un sujet plutôt intéressant dont je voulais aborder sur ma chaîne depuis longtemps. C'est la mixité sociale. Alors la mixité sociale, c'est un sujet encore très tabou en France. C'est un sujet très tabou en France. Et c'est un sujet aussi très peu médiatisé. Voilà, il faut le dire clairement. Oui, en France, on ne parle pas assez de mixité sociale et de mélange culturel, de mélange de richesses, hein, de personnes, de mélange entre les personnes riches et les personnes pauvres, etc. etc. Donc, clairement, moi, c'est un sujet qui me sensibilise et j'avais envie d'aborder ce sujet sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que sur cette vidéo, il n'y a pas de message politique. Ça veut dire que je ne vous fais pas passer des messages venant d'un parti politique, je sais pas moi, venant de En Marche ou des Républicains, pas du tout. Voilà, sachez que c'est juste, je donne juste mon opinion sur le sujet en général et que vous êtes totalement libre de penser ce que vous voulez. La mixité sociale, il y a des gens, ils y sont totalement pour. Et d'autres non, il y a des gens qui pensent qu'on doit pas se mélanger et d'autres qu'il faut qu'on se mélange. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour ma part, je trouve que oui, on doit se mélanger, c'est important culturellement parlant. Donc voilà, je voulais en parler tout au long de cette vidéo et vous dire mes propres pensées. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez sur ce que je vais aborder tout au long de cette vidéo. Alors la mixité sociale, il faut savoir que beaucoup de gens ont en honte d'en parler. Ça commence dès le plus jeune âge, hein, voilà. Il faut savoir que beaucoup de parents n'osent pas parler de mixité sociale à leurs enfants ou en général en fait, parce que beaucoup de gens déjà ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur d'être de passer pour des racistes ou de passer pour ou que ça soit trop sensible comme sujet ou tout simplement parce que les gens veulent pas forcément se mélanger, du coup ils en parlent pas. Enfin, moi je pense que il faut en parler, c'est très important, parce que en France il y a un vrai problème pour moi de mixité sociale et on n'en parle pas. Et même si c'est un phénomène assez courant, qu'il y a des pays où ça fait partie de leur culture, je sais pas, vous allez en Amérique latine, j'en parlais tout au long de cette vidéo, les gens là-bas, vraiment, clairement, faut le dire, ne se mélange pas, les riches et les pauvres sont totalement séparés. Nous, en France, on n'est pas vraiment de base, on n'a pas vraiment cette culture-là de base, mais on fait en sorte aussi d'appliquer cette culture, enfin, de non-mixité, malheureusement, et les choses, pour moi, doivent changer. Donc voilà, c'est au moins important qu'on en parle ensemble sur cette chaîne et dans cette vidéo. Mais d'abord, sortons Wikipédia. Et abordons la définition de la mixité. Alors, la mixité sociale consiste en une zone géographique donnée en ce que des personnes issues de milieux sociaux différents se côtoient ou cohabitent. La mixité sociale engendre des quartiers hétérogènes peuplés d'habitants distincts par leur revenu ou leur origine. Merci Wikipédia. Et comme je disais du coup tout à l'heure, et bah c'est vrai, crotte les gars, crotte, parce qu'en France on a des putains d'efforts à faire. Bon, après, il y a des pays où c'est bien pire que chez nous, hein, comme je le disais. Je voulais aborder notamment le sujet de l'Amérique latine. Alors, en Amérique latine, hein, même si je ne suis jamais allé là-bas, et c'est vrai que je suis jamais sorti de l'Europe, mais bon, je pense que plus ou moins, on a tous fait des études et on a tous connu la fameuse image dans notre livre de Géo où on voit, enfin, c'est ça, c'est au Brésil, où on voit les bidonvilles et les immeubles de luxe à côté. Et bah, en Amérique latine, en général, c'est ça dans la plupart des villes et des pays, que ce soit au Brésil ou dans les pays où on parle espagnol, enfin, qu'importe. Vous avez donc dans les grandes villes un endroit avec les quartiers pauvres malheureusement, où il y a donc des bidonvilles, etc., etc., notamment au Brésil avec les favelas.
et les quartiers riches qui sont carrément ultra protégés et encerclés parfois, où il faut montrer votre pièce d'identité ou quelque chose comme ça pour entrer. Donc comme quoi on est vraiment dans la séparation entre les riches et les pauvres. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Amérique latine qu'il y a ce phénomène, hein. Vous allez à New York par exemple, il y a des immeubles par exemple où les locataires entrent d'un côté et les propriétaires de l'autre, où les gens plus riches entrent d'un côté, ceux qui ont la belle vue imaginons Central Park, je sais pas quoi, et l'autre qui ont les vues derrière du côté des poubelles, enfin voilà. Et voilà, c'est assez courant comme phénomène, donc voilà. Et en France, comme phénomène de non-mixité sociale, on a par exemple le cas typique de la villa de Montmorency dans le 16e arrondissement. Alors qu'est-ce que c'est la villa de Montmorency pour ceux qui connaissent pas le 16e? Alors, moi je la connais très bien parce que j'y suis né, et enfin non, je suis pas né villa de Montmorency, mais je suis né dans le 16e arrondissement, malheureusement, hein, j'ai pas eu tellement le choix, mais c'est vrai que ça me fait un peu chier d'être né dans ce quartier de merde, ouais, clairement. Donc la villa de Montmorency, bah, c'est un endroit où il y a donc, vous savez, à Paris, on a les villas, c'est pas vraiment des maisons, des baraques de ouf. Les villas, en fait, ce sont des ruelles privées où il y a des maisons de ville à l'intérieur, donc c'est un regroupement de maisons de ville ou de résidences, etc., etc. Et là, en l'occurrence, c'est un regroupement de maisons d'habitation plutôt aisées, hein, plutôt pour les riches, parce que si vous voulez habiter Villa de Montmorency, il faut énormément d'argent. Et pour y entrer, vous pouvez pas y entrer si évidemment vous n'êtes pas du coin. Et voilà, le cas typique, chose qu'on n'a jamais vue, et on pourrait penser effectivement donc à ce qu'on voit en Amérique latine quand on voit cette fameuse ville. Mais en réalité, c'est vrai que dans le 16e arrondissement, pour qu'on se le dise, hein, clairement, il y a un vrai problème de manque de mixité. Premièrement, il y a un manque de logement social, hein, clairement, mais c'est le cas aussi pour le 8e arrondissement ou le 17e arrondissement. Dans ces quartiers-là, il n'y a quasiment pas de logement social, ce qui est illégal en France. Ou alors à Neuilly-sur-Seine aussi, hein, c'est le cas. Vous verrez qu'il n'y a pas de logement social à Neuilly-sur-Seine. Donc voilà. Et tout cela est évidemment interdit par la loi. Chaque ville doit avoir au minimum un lotissement, je crois, ou deux lotissements, enfin plusieurs lotissements de logement social pour permettre les habitations aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'être locataires ni propriétaires. Mais le 16e, il est aussi très généreux au niveau des migrants, par exemple. Je vous laisse voir par vous-même. Mais ils retournent. Et les Français, c'est les Français. Mais aussi. Les trois quarts des gens qui dorment dans la rue se font passer pour des exilés politiques. Ouais. Et ils ne le sont pas. Bah, il faut faire le tour. Ouais. Vous voyez? Ouais. Voilà. Bien sûr. Pas merci, rien. Rien. C'est un négro, voilà. Donc c'est la priorité sur tout. Bien sûr. Et puis il y a tout, les Roms, bref, les Syriens, etc. Vous les aidez, ceux-là, ou? Non, pas particulièrement. Mais ils sont responsables aussi de pas essayer de se débrouiller chez eux. Je ne mens pas, cette vidéo se passe bien dans le 16e, derrière celle qui pose des questions. Il y a la rue Jean de la Fontaine et la rue d'Auteuil, et juste devant elle se trouve le métro Michel-Ange Auteuil. Et regardez bien sur Google Maps, ça se situe bien dans le 16e arrondissement. Bref, mais à ces gens qui ont peur d'accueillir des migrants ou même des gens issus de toute communauté, hein, voilà, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que toi, par exemple, là, qui regarde cette vidéo et qui ne veut pas d'arabes ou de noirs dans notre quartier ou de gens pauvres en général, parce que, oh là là, mon Dieu, c'est la hantise, c'est la décadence. Et bah pourtant, je peux t'assurer que même si oui, je suis né dans le 16e et que malheureusement j'ai fréquenté des quartiers riches, je peux t'assurer que j'ai aussi fréquenté des gens issus de classes populaires. J'ai souvent été dans des quartiers de populaires notamment, et je peux te dire que la vie est pas si mauvaise que ça en a l'air. Voilà. Oui, évidemment, dans certains quartiers, vous avez parfois, oui, des bagarres, des problèmes, mais ce n'est pas partout. Les gens s'aiment et vivent en communauté et sont très très contents. Voilà.
Hein. Il faut arrêter un petit peu ce petit délire là. Hein. À Paris, d'ailleurs, en général, il y a beaucoup de quartiers aussi où il y a d'ailleurs des gens ici, toute communauté. Il y a de la mixité. Je vais prendre un exemple basique. Hein. Vous allez à Châtelet-les-Halles, par exemple. Lorsque vous faites vos courses là-bas, vous avez des gens issus de toute communauté. Et je ne me suis jamais fait agresser à Châtelet-les-Halles. Oui, certes, il n'y a pas des gens issus de toute communauté qui y habitent, mais il y a des gens issus de toute communauté qui y traînent. Et je peux vous dire, j'ai jamais été agressé, hein, j'ai jamais eu de problème, les gars, d'accord? Faudrait vous réveiller un petit peu dans votre petite tête. Alors toi aussi qui penses que les quartiers riches sont des quartiers oufissimes, que les méga baraques de ouf, c'est la belle vie? Ah non, pas vraiment, non. Je peux te dire clairement, ce n'est pas la meilleure vie du monde d'aller habiter dans le 16e arrondissement. On se fait bien chier là-bas, hein. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien, les gens sont tous pareils que vous. C'est du copier-coller, quoi. Bref, je voulais juste vous faire cette petite vidéo et vous montrer quelques extraits pour vous dire tout simplement que il faut essayer au maximum d'accepter les gens comme ils sont, qu'importe leur niveau de richesse, s'ils sont pauvres, s'ils sont riches, qu'importe leur origine, chaque personne est pareille et différente à la fois. On est tous différents extérieurement, mais on est tous pareils intérieurement parce qu'on est, on a une chose en commun tous ensemble, c'est qu'on est des êtres humains. Et voilà, ce fléau de non, je veux pas des migrants, non, je veux pas des gens, oh là là, qui sont pas assez riches, qui sont pas assez cultivés. Bah ouais, mais le problème c'est qu'en fait, si on rejette les gens comme ça et qu'on se met tous d'un côté, c'est clair que d'un autre côté, il y aura des gens qui n'auront ni accès à la culture, ni accès à l'éducation, et il y aura des problèmes d'un côté et des gens hyper heureux de l'autre. Et du coup, il n'y aura aucun mélange, il n'y aura pas d'égalité pour tout le monde. C'est ça que je voudrais dire. Donc il est très important, chaque jour au quotidien, d'accepter les gens comme ils sont et de fréquenter des quartiers où il y a de la mixité. Encourager la mixité au sein des quartiers, au sein de... Voilà. D'ailleurs, si vous êtes conseiller municipal ou si vous travaillez dans une mairie, etc., n'hésitez pas à chaque assemblée ou quoi que ce soit à faire part de projets qui permettraient d'encourager la mixité, notamment dans les écoles où il faut faire passer le message du partage et de l'accueil. Et voilà, c'est très important parce que malheureusement en France, on manque de mixité sociale, on ne se mélange pas assez et ce n'est pas normal que voilà, il y ait des coins où il n'y ait que des riches qui ne sortent pas de chez eux et des coins où il y ait que des pauvres et des zones de non-droit. Voilà, clairement, ce n'est pas normal. Il faut faire changer les choses. Bref, agissons au quotidien et acceptons les gens comme ils sont. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.